Hey yo les gens, c'est Flotoni71 et aujourd'hui on se retrouve pour une belle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode du Top 5 Custom Track. Donc en gros des meilleures compilations des pistes créées par les joueurs, par la communauté de Trial Fusion. Donc franchement ce jeu il déglingue. Moi je vous le conseille, vous n'avez pas encore testé. Donc on passe tout de suite à la 5ème place. Et à la 5ème place, nous trouvons un jeu d'adresse qui se nomme V2 Flappy Bird. Et bah, je peux vous dire que ça mérite bien la 5ème place, vu que là, comme vous pouvez voir, c'est une bonne représentation du Flappy Bird disponible sur mobile. Et franchement, moi je me demande toujours les gens comment ils ont fait pour réaliser Flappy Bird sur Trial Fusion. Enfin, à la base, c'est quand même un jeu de moto. Je sais pas comment le mec il a fait pour déjà faire le petit oiseau de Flappy Bird et après pour compter les points, etc. Et franchement, moi je trouve c'est vraiment mais impressionnant. Surtout que moi j'ai testé l'éditeur de Trial Fusion et moi je trouve qu'il est super compliqué. Je comprends pas comment on fait ça. Moi j'ai juste trouvé pour mettre des objets et faire des obstacles quoi. Et après tester avec une moto mais pas avec par exemple un oiseau de Flappy Bird. Il y a plein de niveaux comme ça où ils sont what the fuck. Tu te demandes comment les gens ils ont fait. Franchement c'est impressionnant. Moi je vous conseille de tester. Donc là c'est un top sur la PS4 hein, parce que j'ai la PS4 donc c'est que disponible pour l'instant sur la PS4 et c'est pas encore disponible en cross platform. Donc on se retrouve tout de suite pour la. Et à la 4ème place on se retrouve sur le circuit Aetherial, donc un circuit facile. Donc j'ai pris dans ce top vu que c'est un circuit qui est assez magnifique, il est assez bien fait. Regardez avec des petits effets de couleur violet. Et franchement, ce qui m'a attiré à l'œil, il est vraiment bien fait. Donc seul bémol de ce circuit, c'est qu'il est vraiment mais court. Et franchement, comme je vous ai dit au début, il est facile. On finit en moins de 30 secondes, c'est quand même assez dommage. Mais bon, en même temps, vu tous les effets qu'ils ont fait, je pense que c'est ça aussi qu'ils ont fait déjà beaucoup de travail. Donc, et en plus, je crois que ce circuit, il a été révisé pour un concours de Trial Fusion des Custom Track. Donc on va se retrouver bientôt, bah tout de suite, désolé, pour la 3ème place. Et à la 3ème place, on se retrouve sur une piste assez, mais what the fuck, comme vous pouvez le voir. Donc vous voyez, on contrôle un buggy, donc ça s'appelle Combat Buggy Race V1. Donc vous voyez, on peut tirer des lasers, mais c'est quand même assez what the fuck. Et en plus, c'est quand même assez chaud à contrôler. Donc elle est vraiment pas mal, cette course. Et surtout, je trouve ça c'est vraiment, mais what the fuck. Et en plus, par contre, je peux vous dire, c'est quand même assez compliqué à contrôler cet engin, vu que ça part vite fait en couille quand même. Regardez, voilà, là je suis parti. On va rester testé. Donc pareil, cette course n'est pas très longue. Je crois qu'elle fait 1 minute. Mais bon, juste je pense que quand même, ça doit être assez compliqué de créer un buggy comme ça. Surtout que j'ai vu le créateur de cette piste a fait au moins 5-6 circuits test de buggy et, avant de réussir cette piste-là. Et franchement, je trouve qu'elle est assez bien réussie. Surtout avec le mécanisme qu'on peut tirer. Donc comme sur Flappy Bird, je me demande comment le mec a réussi à faire ça. C'est bizarre, surtout que le truc c'est le plus fort, c'est encore pire. Donc là c'est en 3D et en plus on joue pas avec une moto. Donc, ce qui m'impressionne, c'est ce qui m'impressionne beaucoup. En plus t'as un système de tir, franchement c'est vraiment pas mal fait. Pour l'instant sur Xbox One et Xbox 360, il n'y a pas encore eu de circuit comme ça. Donc des fois il y a des circuits qui sont bien sur Xbox One et des fois aussi il y a quand même des bons circuits sur la PS4. Mais après c'est quand même dommage qu'il n'y a plus du cross platform. Donc là vous voyez un petit ascenseur. Donc là je crois qu'on va bientôt arriver à la fin du circuit, parce que je l'avais déjà testé, et on arrive bientôt à la fin. Donc là il faut aller vite fait je crois. What the? Voilà, donc là arrivé. Moi j'ai fait un temps tout pourri. En plus c'est vraiment chaud à contrôler. On dirait juste à chercher Combat Race V1. Donc la médaille d'argent. On va se retrouver tout de suite à la 2ème place. Alors pour la 2ème place, on se retrouve sur un circuit. Alors là, que je peux vous dire que j'adore. C'est un de mes préférés circuits. Ce circuit, et franchement, et je trouve, il est super bien fait. Donc là, on peut contrôler une boule, donc en boule en fer. Donc c'est sans rappeler le jeu Marble Madness. Donc je pense que c'est inspiré. Donc le circuit s'appelle Sphere. Donc il existe deux inclinaisons. Donc Sphere et Sphere Fixed. Donc en gros, il est pas bugué. Donc j'ai vu aussi que sur Xbox One, ils avaient fait un circuit pareil. Mais celui-là, je pense qu'il a été fait avant celui sur Xbox One. Et il a été disponible depuis la sortie du jeu. Donc il était disponible Day One. Donc circuit quand même assez compliqué.
Donc j'ai vu que pour avoir la médaille de platine, il faut faire 20 minutes de jeu. Et c'est... Ouais, 20 minutes de jeu. Parce que là, vous voyez, il y a la distance en haut qui s'affiche. Il reste plus d'un kilomètre. Donc moi, je suis allé peut-être aller à 500 mètres en peut-être 10 minutes. Et après, ça devient de plus en plus compliqué. Donc là, je vais essayer d'aller le plus loin possible en vidéo. Donc je vous laisserai réussir. Et j'ai vu que pour l'instant, il n'y a aucune personne qui l'a fini le circuit. Donc vous pouvez voir à quel point c'est difficile. Donc là, on peut pas trop voir sur la vidéo quand on n'essaye pas. Mais je peux vous dire que les commandes, mais elles sont mais galères. Pour s'arrêter, il faut avoir 50 mètres... il faut avoir 50 et... on va dire, s'arrêter 50 mètres avant. Et franchement, je peux vous dire, c'est assez compliqué. Et en plus, les exercices sont de plus en plus what the fuck. De plus en plus, on avance dans le niveau. Là, on peut déjà voir que c'est un peu... ça arrive déjà à être plus compliqué. Oh là 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 là. Je vous jure, c'est galère. Donc là, le créateur de ce circuit, c'est Wrecking, yeah. Et j'ai vu qu'il avait fait des autres circuits, comme par exemple à la première personne. Donc en gros, vous contrôlez un mec qui marche en 3D, ça m'impressionne toujours. Hein. C'est comme, ouais, c'est ce que je lui ai dit, je me demande comment ils font. Donc là, on arrive déjà à 800 mètres, c'est pas mal. Alors, on va essayer de passer ça. Là, c'est pas trop compliqué encore. C'est quand même pas la première fois que j'essaie ce circuit. Chaque fois, j'essaye et j'arrive d'aller plus loin. C'est à partir d'un moment, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais vous dire quand ça va arriver. Déjà là où vous voyez, il y avoir des trucs qui voulaient sauter. Et là déjà, je peux vous dire, c'est... ce serait presque de la chance. A chaque fois, tu passes, mais par un millimètre près. Vous voyez, encore là, j'ai de la chance. Alors là, on va repasser. Ouf, chaud. En plus, ce que j'aime bien, c'est la musique. Je trouve elle va bien avec le circuit. Donc là, vous voyez, ça commence déjà à être beaucoup plus chaud. J'ai déjà réussi à passer ça. Oh là, oh là là. Est-ce que je vais réussir? Oh là là. Oh oh. Oh, j'ai tombé. Oh là, j'ai réussi. Je suis chaud. Oh, c'est compliqué. En plus, vous voyez comme la piste s'étend loin encore. Il reste 700 mètres. Alors là, par contre, j'ai déjà perdu l'autre fois. En gros, il faut vraiment vite fait s'arrêter parce qu'avec la vitesse, ça va être compliqué à s'arrêter. Parce qu'il faut prendre de la vitesse. Vite, j'arrête. Ou c'est galère. C'est bon, j'ai réussi. Elle est vraiment longue cette piste. Oh non, bon, c'est pas grave, j'ai perdu. Donc voilà, 639 mètres. Donc on se retrouve maintenant pour la première place. Et là, je vous dis, ça va être du lourd. À la première place, nous nous trouvons sur un circuit qui s'appelle World of Pixel. Créé par un français, donc je l'ai d'ailleurs en ami. Et franchement, ce circuit, il envoie du lourd. Donc déjà, par son gameplay, avec beaucoup de saltos, etc. à faire, donc c'est assez amusant. Mais en plus, avec la créativité du circuit. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de pixel art. Donc en gros, regarde, envoyer des étoiles de Mario. Et la difficulté, par contre, elle est assez simple. Donc là, c'est vrai que je me fais un peu, donc vous pouvez pas vraiment vous rendre compte. Donc là, je vais pas faire conneries. Donc, fur et à mesure qu'on avance dans le niveau, donc on peut voir des nouveaux pixel art de Mario, qui viennent de Mario ou de d'autres jeux, vous allez voir après, qui vont apparaître sur votre écran. Donc c'est pour ça que c'est assez bien fait. En plus, avec toutes les couleurs, ça flash bien. Et c'est, franchement, il est pas mal, le circuit. Surtout avec le nombre de looping. Par contre, franchement, je crois qu'il est en étant difficile, parce qu'il y a quand même des trucs assez galères à faire des fois. Mais sinon, ça va. Et c'est pour ça qu'il est vraiment sympa. Donc là, vous allez voir, normalement, oh, des pixel art. Bientôt de Space Invader, donc 3. Donc je pense que ça va être assez difficile à faire avec Pixel Art sur Trial Fusion. Parce que encore sur Minecraft ça passe, mais là. Voilà, vous allez voir. Voilà. Je me gagne. Là, un Pixel Art de Star Wars et de Yoshi qui est franchement mais super bien fait, je trouve. Quand j'ai vu ça, j'ai fait wow, super bien fait, franchement. C'est impressionnant. Là, je suis vraiment, j'ai pas compris c'était quoi comme pixel art. Je sais pas si y a quelqu'un qui pourra le savoir. Zelda, ça oui, ok. Enfin, Link. Ah, peut-être Batman, ouais. Faut voir. Donc là, on va bientôt arriver à la fin du niveau. Donc en plus, ça par contre, point positif aussi de ces niveaux, il est assez long. Enfin, il dure 2 minutes, c'est déjà pas mal pour un niveau. Sauf qu'il est bien fait. Voilà, Kirby et un bout de Mario. Donc là, un Megaman, un Bob l'éponge, et pour finir,
un personnage de Excite Back de la NES. Donc c'est un petit hommage un peu à la NES, pixel art, etc. Donc voilà, on a terminé ce top. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode. N'hésitez pas à lâcher un pouce vert, à commenter si vous voulez plusieurs épisodes. Et moi je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine. Peace, c'était Poltony 7.1.